Déjà plusieurs mois qu'apprenants et élèves du secondaire sont en vacances. Seulement que cette année, à cause de la pandémie du coronavirus, certaines habitudes ont été revues. L'enfant étant ce qu'il est, pendant qu'ils sont à l'école, il y a la transaction parents, maison, école. Quand ils sont également en vacances, il faut bien qu'ils se reposent. Moi, mes petits-fils, dès le matin au réveil, ils se débarbouillent, ils font leur petite toilette. Ils ont l'habitude même de faire de la copie, de la lecture, du calcul sur 1h, 1h30, avant d'aller prendre leur bain et leur petit déjeuner. Déjà à 10h, ils ont fini avec ça et ils prennent le petit déjeuner. Dans un contexte aussi particulier, les élèves de ce ménage ont un planning d'occupation quotidienne bien défini, eux ceci, dans le strict respect des mesures barrières. Je passe de mes vacances, je joue bien. Quand je me réveille le matin, je fais mes travaux domestiques. Après, je pars au cours des vacances. Et quand je reviens, je fais mes exercices, je fais ce qu'on nous demande à l'école. Avant l'avènement du Covid-19, au moins il y avait les jeux de distraction, les vacances, un peu de tout. Mais avec le Covid, la liberté est limitée et puis on est enfermé à la maison pour le respect maximum des gestes barrières. Quand je reviens à la maison, il y a un dispositif ODE pour le lavage des mains. Après ça, tout le monde porte un cache-nez. Et on respecte les gestes de 1 mètre. Quand on se salit, on utilise le gel hydroalcoolique. Pour cette mère de famille, les parents d'élèves ont beaucoup à gagner en occupant sainement leur progéniture. Quand le matin, ils ont accès aux études comme ça, il faut leur laisser un peu de temps libre pour délibération, on va dire. Enfin, qu'ils soient libres, un peu jouer. Donc, ils vont au jeu. Après le petit déjeuner, ils vont au jeu. Et des fois, c'est l'heure d'aller suivre chose à télé avec des émissions enfantines. Donc, après ça, le repas de midi. Après le repas de midi, ils vont à la sieste. En attendant l'issue de cette pandémie, même les vacances doivent rimer avec le port de masque et le respect des autres mesures barrières.